الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه طارق أبو نور إمام خطيب. Premièrement, je remercie l'UMF, l'Union des Mosquées de France et aussi le Conseil des Oulémas d'Europe, marocains d'Europe, pour cette aimable invitation et surtout pour cette belle initiative pour la formation de nos imams. Il a été évoqué des points très importants dans le cadre de cette formation. C'est premièrement le respect du contexte ou de l'actualité. Un imam français se doit de comprendre le besoin des musulmans de France et l'actualité, être au courant du contexte pour qu'ils puissent répondre et concilier le texte au contexte. Un élément aussi très important, c'est l'utilisation de la langue française, puisque justement on s'adresse à des Français musulmans, deuxième, troisième, quatrième génération et des convertis. Donc il faut aussi que le prêche soit à minima traduit, soit directement, soit en résumé, et pourquoi pas aussi un prêche en français, pour permettre à nos fidèles francophones de bien comprendre, puisque c'est le but du prêche du vendredi aussi, c'est des messages forts à donner aux croyants, aux fidèles, puisque c'est des lignes directives, c'est effectivement des instructions de leur vie quotidienne et de ce qui se passe dans cette vie quotidienne. Le respect du contexte aussi a été évoqué dans un certain nombre de questions, notamment la difficulté pour le fidèle, effectivement, surtout à partir de l'horaire de l'été, pour le prêche du vendredi, donc effectivement la possibilité de l'avancer. En suivant dans cela certains avis de certains jurisconsultes, notamment Hanbalit, il a aussi été évoqué la question aussi du temps du prêche, du délai du prêche, qu'il faut être court et précis et concis, hein, aussi pour ne pas gêner les Français musulmans qui ont effectivement des occupations, parce qu'on sait qu'en France, on n'a pas des dispositions particulières pour ce prêche du vendredi, qui est un moment important, comme je l'ai dit, dans la vie du musulman et effectivement dans sa compréhension de sa religion. Il a été évoqué aussi cette bonne représentation et représentativité du musulman dans son contexte, le fait que les prêches ou les sujets ou les thèmes des prêches abordés soient dans le positif, c'est-à-dire permettre aux musulmans de s'intégrer positivement dans sa société, d'avoir un apport, d'être l'ambassadeur avec ses valeurs et la bonne intégration dans la société plurielle, dans sa société plurielle, puisque la France est une société plurielle, le respect des autres aussi, le bon comportement, le bel agir, et nous allons évoquer personnellement, j'évoquerai aussi ce qu'on appelle la spiritualité ou l'éducation spirituelle, qui est aussi un élément important dans cette construction de la personnalité du musulman à travers le prêche, et aussi la contribution des prêches dans la paix sociale, dans aussi l'anticipation ou la prévention du radicalisme et des comportements radicaux, puisque l'imam est responsable aussi du discours à avoir pour justement répondre aux questions légitimes de nos jeunes et leur donner la bonne compréhension de l'islam, loin de ce qu'on peut raconter sur certains réseaux sociaux, certains forums, par rapport à certaines mauvaises compréhensions ou instrumentalisations de la religion, notamment musulmane, pour des fins terrestres. Effectivement, et en finale aussi, il y a aussi cette question du dialogue interreligieux, de la relation avec l'autre, du respect de l'autre. Quand je dis l'autre, c'est aussi le non-musulman, et la question aussi de la valeur, en fait, de la religion dans la vie du musulman, et qu'elle doit être un apport positif dans la société à travers la contribution positive du musulman pour bâtir une société dans le bien vivre ensemble, une société qui donne l'image d'un musulman intégré, intègre et qui construit, qui n'est pas dans la destruction, qui n'est pas dans la victimisation et qui est positif et optimiste.